Preview. Bonjour mes amis, ravi de vous présenter cette nouvelle leçon de langue et communication intitulée « La proposition subordonnée de but ». Alors, commençons par la notion de but. La proposition de but, que signifie-t-elle? Alors, faites attention à cette image. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, ils sont où ces deux personnages? Alors, ils sont dans l'atelier de l'électricité. Le chef d'atelier, bien le professeur, et un élève. Ils sont en train de préparer et de travailler quelque chose de l'électricité. Alors, on verra qu'est-ce qu'ils font. Ils discutent, ils parlent entre eux. Que dit le chef de l'atelier? Dis-moi, Mourad, pour quel but tu utilises ces piles? Dis-moi, Mourad, pour quel but tu utilises ces piles? Vous connaissez les piles? Les voilà. Alors, Mourad utilise des piles. La question, c'est pour quel but? La réponse de Mourad, hein? À quoi servent les piles pour son jouet, pour cette voiture électrique? Est-ce que la voiture peut démarrer sans pile? Bien sûr, non. Alors, le but derrière l'utilisation des piles, le but derrière l'utilisation de ces deux piles, c'est pour que cette voiture fonctionne, pour qu'il travaille, pour que cette voiture marche, pour que cette voiture démarre. Alors la réponse, j'utilise la batterie pile pour que ma voiture puisse marcher. Mourad répond, j'utilise la batterie pile pour que ma voiture puisse marcher. Alors Mourad, dans sa tête, il a un but. Le but, c'est faire marcher la voiture. Et pour que la voiture marche, il doit utiliser ses batteries piles ou bien ses piles. Alors on dit que Mourad exprime le but. J'utilise la batterie pile pour que ma voiture puisse marcher. Le but de Mourad, c'est chercher comment faire marcher sa voiture. Est-ce que la voiture marche? On ne sait pas. Alors, c'est quelque chose du futur. Alors, il pense au futur. Il va mettre les deux piles et il va voir. Alors, maintenant, je pense que vous avez compris le but. Alors, faites attention, pour le but, on pose la question par « pour quel but ?» Et la réponse contient « pour que ». J'utilise la batterie pile pour que ma voiture puisse marcher. Mourad a exprimé son but et son intention derrière l'utilisation des deux piles. D'accord. Alors, pour exprimer le but dans une phrase, on utilise des phrases complexes. Et on a vu dans les vidéos précédentes les composantes de la phrase composée. Alors, c'est la même phrase. Combien de parties contient cette phrase?
Il contient deux parties majeures. La première, c'est la principale. La proposition principale. Mourad utilise une batterie. Et la deuxième proposition, c'est la proposition subordonnée. Pour que sa voiture puisse marcher. C'est une proposition subordonnée de but. Elle s'appelle de but parce qu'il exprime le but en utilisant bien sûr ce moyen pour que c'est un moyen qui avec quoi on peut exprimer le but. C'est très bien. On peut dire aussi pour que la voiture puisse marcher, Mourad utilise une batterie. Alors comparez cette phrase et celle-ci. La différence, c'est qu'on a commencé par le moyen pour que. On a commencé par la proposition subordonnée de but. Pour que la voiture puisse marcher, virgule, Mourad utilise une batterie. Alors cette phrase, elle est comme cette phrase au niveau de deux sens. Ça veut dire que les deux phrases sont correctes. Mais on a inversé les places de la proposition principale et de la proposition subordonnée. Alors, si je vous pose la question, où est la proposition principale dans la deuxième phrase? La proposition principale. Oui, d'accord. La proposition principale. Où est la proposition subordonnée? Pour que. C'est la proposition subordonnée. Alors, même si on a changé les places, chaque proposition garde son nom convenable. C'est très bien. Maintenant, on pose la question, quels sont les moyens utilisés pour exprimer le but? D'après le schéma que vous voyez, on a combien de groupes? 3 groupes. Bien sûr, les moyens qu'on verra ici ont presque le même sens. Mais au niveau de l'utilisation, on effectue quelques changements. Et on verra ça dans les minutes qui restent dans cette leçon. Alors, la proposition de but, toujours, c'est un moyen de but plus le but. Elle s'appelle proposition subordonnée de but. Le moyen de but varie, change. Et on trouve beaucoup de moyens comme afin de. Et faites attention pour. Ici, de et pour. Pour, c'est une préposition. De aussi, c'est une c'est une préposition. Dans le but de. Dans le but de. Avec préposition. Avoir pour but de. On a aussi visé à. Et on a aussi avoir comme objectif de. Et on peut utiliser aussi en vue de. Alors, ces moyens et ces expressions ont une préposition. De, pour, de, à. Ils finissent par une préposition. Le deuxième groupe contient de peur de. Il contient aussi de crainte de. Mais on peut trouver aussi de peur que. Et faites attention à la conjonction. Et aussi de crainte que. Le troisième groupe, afin que, pour que. Alors la remarque, il y a des remarques. Il y a des. Pour la remarque, il y a des moyens qui finissent par des prépositions. Il y a d'autres qui finissent par que. Et on verra le changement. OK. Mourad utilise la batterie pour que sa voiture puisse marcher. On va comparer cette phrase par la deuxième. Mourad utilise la batterie pour que sa voiture peut marcher. Alors, quelle est la différence? La différence,
C'est très bien. C'est au niveau de la conjugaison du verbe. Quel verbe? C'est le verbe pouvoir. C'est très bien. Ici, il est à quel mode? Déjà vu. C'est le subjonctif. Bravo. Ici, c'est le verbe pouvoir au présent. Alors, ici, nous avons le subjonctif et ici, nous avons le présent de l'indicatif. Mais, cette phrase est-elle correcte ou fausse? Alors, pour résoudre ce problème, on va chercher les sujets. Mourad utilise la batterie. Quel est le sujet? Mourad. C'est très bien. Sa voiture, que sa voiture puisse marcher, quel est le verbe? Sa voiture. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce qu'on a un seul sujet? Bien sûr, non. Ici, c'est le premier sujet, Morad. Ici, c'est le deuxième sujet, la voiture. On dit qu'on a deux sujets différents. Quand on a deux sujets différents, on utilise une conjonction plus la conjugaison du verbe au subjonctif. C'est ça la règle. Alors la phrase qui est correcte, c'est la première, alors que la deuxième phrase n'est pas correcte parce qu'il ne respecte pas la règle. Pour que, afin que, plus verbe au subjonctif. Et pour que, afin que, sont utilisés quand on a deux sujets différents. On n'a pas le même sujet. Ici, nous avons Morad, ici, nous avons la voiture. Alors, il y a deux sujets différents. Alors, cette phrase, bien sûr, est fausse. Pour que, toujours plus verbe au subjonctif. Maintenant, Mourad utilise la batterie pour que Mourad démarre la voiture. Pour quel but Mourad utilise la voiture? Il veut démarrer la voiture. Ça, c'est un but. Mourad démarre la voiture et Mourad utilise la batterie. Quelle est la remarque? Excellent. On a le même sujet. Ici, nous avons Mourad. Dans la première, c'est le premier sujet. Et dans la deuxième phrase, nous avons aussi le même sujet qui est Mourad. Alors, on a le même sujet. Est-ce qu'on peut utiliser pour que? Non. On ne peut pas utiliser pour que parce qu'on a le même sujet. Alors, on remplace pour que par une préposition. Pour. À la place de pour que, on peut mettre pour ou bien afin de ou bien les autres moyens qu'on a vus dans la première image. Et on conjugue les verbes à l'infinitif. Alors ici, est-ce qu'on a l'infinitif? Bien sûr, non. Ça, c'est le présent. Démarre. Mourad démarre la voiture. Alors pour corriger cette phrase, on peut dire Mourad utilise la batterie pour démarrer la voiture. Et on efface le sujet qui se répète parce qu'on a le même sujet. Mourad utilise la batterie pour démarrer, ER à la fin, la voiture. Et cette proposition, c'est une proposition de but. Elle est à l'infinitif. Et le moyen de but, c'est pour. On peut remplacer pour par un équivalent. Et on dit Morad utilise la batterie afin de, il est comme pour, afin de démarrer la voiture. C'est compris. C'est bon. À la place de pour et afin de, on peut utiliser aussi ces deux moyens en vue de et aussi dans le but de. Plus un verbe à l'infinitif. Alors, Mourad utilise la batterie en vue de démarrer la voiture. Mourad utilise la batterie dans le but de démarrer la voiture.
Alors, quand tu trouves une préposition, soit de, ou bien pour, ou bien à, on utilise le mode infinitif. C'est très bien. Alors, la première phrase est une phrase qui n'est pas correcte. Où est la faute, monsieur? La faute au niveau de la conjugaison. On a le même sujet. On ne peut pas utiliser pour que. On utilise une préposition plus un verbe à l'infinitif. C'est clair. Autre expression de but. Morad a pour but de démarrer la voiture. Alors, préposition plus infinitif. Morad a comme objectif de démarrer la voiture. Tu me dis, monsieur, qu'est-ce que ça veut dire objectif? Il signifie le but. On dit l'objectif ou bien le but. C'est la même chose. Et aussi, Morad vise à démarrer la voiture. Il vise à démarrer la voiture. Alors, vous voyez, on a utilisé un verbe. Ici, le verbe avoir. Et ici, le verbe viser. Plus une préposition. Plus un verbe à l'infini, à l'infinitif. La question, est-ce qu'on peut utiliser un nom pour exprimer le but? Le nom. Oui, c'est très bien. On peut utiliser le nom pour exprimer le but. Alors, quel est le nom dérivé de démarrer? Le démarrage. C'est très bien. Le démarrage. Alors, comment utiliser ce mot, ce nom, dans une phrase? On peut dire, Morad a pour but le démarrage de la voiture. Le démarrage de la voiture, c'est le but de Morad. Et on dit a pour but le démarrage de la voiture. Ou bien Morad a comme objectif le démarrage de la voiture. Ou bien Morad vise le démarrage de la voiture. Alors, on peut jouer avec les phrases comme ça pour garder la ou bien les structures. Alors, ici, plus un nom et les trois premières phrases, plus un verbe au mode infinitif. Et la règle, c'est avoir comme but, avoir comme but. Ou bien avoir comme objectif, avoir comme objectif. Avoir, ça veut dire le verbe avoir. Viser à. Le verbe viser à. Et bien sûr, je conjugue le verbe au temps convenable. Présente deux voitures endommagées. Il s'agit d'un accident. OK. Alors, je vous donne la proposition principale. Le chauffeur conduit doucement. Et je vous pose la question. Pour quel but le chauffeur conduit-il doucement? Est-ce que le chauffeur conduit doucement pour faire un accident? C'est le contraire, bien sûr. Le chauffeur conduit doucement pour ne pas faire d'accident. Alors, faire un accident, c'est un but erroné. Ce n'est pas le vrai but. Le but, c'est pour ne pas faire d'accident. Alors, ce type de phrase où il y a un but qu'on cherche à éviter, on les exprime en utilisant des moyens tels que pour ne pas, de peur de crainte de, pour éviter de. Ces quatre moyens, et vous pourrez trouver d'autres. Alors, on dit le chauffeur conduit doucement de peur de faire un accident, de crainte de faire un accident pour éviter de faire un accident. Et vous voyez à la fin de ces expressions, il y a des prépositions pour de. Pourquoi l'utilisation des prépositions? Parce qu'on a le même sujet. Le chauffeur conduit doucement. Qui conduit doucement? C'est le chauffeur. Faire d'accident. Qui? C'est le chauffeur.
Alors, on a le même sujet. Quand on a deux sujets différents, à la place de peur de, on utilise de peur que. Très bien. Et à la place de crainte de, on utilise de crainte que. C'est excellent. Alors, le chauffeur conduit doucement. Voilà, le sujet 1, c'est le chauffeur. Le sujet 2, sa voiture, que sa voiture fasse un accident. Alors ici, la voiture et ici, le chauffeur. On a deux sujets différents. Alors, on utilise de peur que. Alors, de peur de, ici, de peur que. Et la remarque, c'est le subjonctif. De peur que sa voiture fasse un accident. Fasse, c'est le verbe faire. C'est le verbe faire au mode subjonctif. Très bien. Alors, pour éviter, on peut utiliser pour éviter, comme ça, pour éviter. Et on peut utiliser de peur de ou bien de peur que. De, quand il y a du sujet. De, quand il y a le même sujet. Et que, quand on a deux sujets. Et on peut aussi varier les moyens. Ce qui est important, c'est l'utilisation de quelques moyens dans des phrases, dans des situations, bien sûr, variées. Alors, on récapitule, qu'est-ce qu'on a vu? On a parlé de cette situation. Mourad a exprimé son but en utilisant le moyen pour que, plus un mode subjonctif. Et on a dit que pour chercher le but, on pose la question par pour quel but. Et on a vu la structure de la phrase. C'est comme la structure de la phrase composée qu'on a vue dans les dernières vidéos. Oui, une proposition principale et une proposition subordonnée de but parce qu'il y a le moyen pour que. On peut inverser les places et dire pour que la voiture puisse marcher, Mourad utilise une batterie. Mais les propositions gardent leur nom convenable. Voilà. On a parlé des moyens. On a fait trois parties, trois classes, trois groupes. Un groupe avec des prépositions. Afin de, pour, dans le but de, avoir pour but, etc. Et le troisième moyen de peur de crainte de, ou bien de peur que et de crainte que, c'est pour éviter la réalisation d'un but. Et le deuxième moyen, les moyens qu'on utilise avec le subjonctif, quand on a deux sujets différents, afin que et pour que. Très bien. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Essayez de faire des phrases, de poser les questions pour demander d'autres informations sous forme de commentaires. N'oubliez pas surtout d'aimer et de partager cette vidéo afin que vos amis puissent réviser avec vous leur leçon de langue. En attendant bien sûr les autres vidéos, je vous dis à tout à l'heure. Salam alaikum. Preview.